fête de la musique dans de nombreuses communes ce week-end. Nous nous sommes rendus à l'une des plus importantes de la région, celle de Host, qui avec ses 4 scènes et ses 22 groupes programmés, en a mis plein les yeux et les oreilles de son public. Musique aussi pour les jeunes des différents IME du bassin houillé. Les enfants assistent à un concert de chansons françaises. Autre grande fête du week-end, les feux de la Saint-Jean, une tradition qu'a redécouverte la commune de Bérone après en avoir été privée pendant 7 ans. Et enfin, nous irons faire un tour au Salon du Jardin qui s'est tenu au centre des congrès du Burghof de Forbach. Une première édition pour cet événement qui a rassemblé les amoureux de la nature. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de TV8 Info du lundi 21 juin 2010, un jour qui correspond à deux dates importantes, le premier jour de l'été et la fête de la musique. Nous nous intéresserons tout particulièrement à ce deuxième point. Car si elle est célébrée officiellement aujourd'hui, bon nombre de communes ont commencé déjà à profiter du week-end pour organiser leur fête de la musique. C'est le cas de Host, qui pour sa 15e édition a programmé 22 groupes en 2 jours répartis sur 4 scènes. De quoi satisfaire les amateurs de musique, toutes les musiques, comme l'a constaté Christophe Ladenberger. Ça y est, le ton est donné, ou plutôt le son est donné. La 15e édition de la fête de la musique à Host bat son plein, 4 scènes et des groupes qui défilent chacun dans son propre style. Le but, être le plus éclectique possible vis-à-vis des fans. Il s'appelle Spoon Concept, Assez Déçu, Les Scarabées, Kenavo ou encore John Design Band, pour ne citer que. Cette année, on a en fait beaucoup de nouveautés, à savoir qu'on a fait la fête de la musique sur 2 jours. Donc on a débuté déjà hier soir avec un très 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 gros succès, une très très belle soirée. On a continué aujourd'hui dès 15h avec plusieurs spectacles pour enfants, avec chorale, etc. Et maintenant on est en plein déjà dans les concerts rock, folk, pop. Le public commence maintenant à influer et puis ça va être une très belle soirée encore une fois ce soir. On s'est rendu compte que vraiment il y avait des groupes dans la région qui étaient très très bons et ça nous a un peu incité à ouvrir une troisième scène open air alors qu'au départ on voulait en faire que deux et ce soir nous avons trois scènes open air parce qu'il y avait un très grand nombre de groupes qui ont postulé. Et parmi ces groupes, Kenavo, du pur rock celtique, en kilt s'il vous plaît, un groupe qui a fait un long déplacement depuis la Marne pour se retrouver ici à Host en scène découverte. Et nous jouons du rock celt, donc plutôt surprenant venant de la Marne. Mais on joue la musique qui nous passionne et vu que c'est un style qui manque un peu dans notre région, ça fonctionne plutôt pas mal. Déjà, Host, c'est un festival qui est forcé de constater est grand, vraiment énorme et un bon tremplin pour les groupes comme le nôtre. Et en fait, on est venu ici un peu par hasard car les dirigeants ont fait une escapade gourmande dans la Marne où nous étions, où nous jouions. Et c'est là que nous nous sommes rencontrés et qu'ils nous ont demandé de venir au festival. Autre scène, autre groupe, moins celtique celui-là, le John Design Band a enflammé le public. Très rock, grâce à de nombreuses compositions personnelles et quelques reprises. Si je vous dis Dire Straits, ça vous dit quelque chose ? Groupe originaire de Thionville en fait et on s'est formé il y a 2 ans. Quand on a parlé d'Dire Straits au début de l'interview et effectivement c'est mes influences. Et les morceaux, ce sont des morceaux personnels donc composés. D'abord je les remercie de m'accompagner à chaque fois. Moi j'ai fait bosser dur et moi ils m'en veulent pas trop je pense. C'est le meilleur. Je suis très heureux de travailler avec eux. De nombreux
nombreux groupes ont encore suivi pour le plus grand succès de cette fête de la musique à Ost. Le public, malgré quelques averses passagères, s'est déplacé en grand nombre. La musique n'a pas de frontières, n'a pas d'âge non plus. Et peut-être que certains fouleront les scènes de Ost dans quelques années. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait